Bonjour à tous et bienvenue, je suis Spook5. Aujourd'hui on se retrouve comme toutes les semaines avec 5 nouvelles vidéos flippantes. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour être au courant de tout. Je suis aussi sur Twitter et sur Instagram pour parler avec vous. Brancard vide. Le compte Instagram Successos Inexplicables poste un jour une vidéo filmée depuis la caméra de surveillance d'un hôpital. On le sait, beaucoup d'hôpitaux ont la réputation d'être hantés, au vu des événements qu'il s'y passe. Un soir, un employé passe le balai dans le couloir de l'hôpital. Il va alors se passer quelque chose qui va le surprendre. On peut voir le brancard se dresser seul. L'employé ne le voit qu'après et semble intrigué. Il ne comprend pas trop ce qu'il se passe. Il n'a pas vu le brancard se dresser. Feu follet. Le youtubeur Frankly2112 n'est pas forcément proche du paranormal. Mais un jour, son frère l'emmène avec lui pour une enquête dans un cimetière du 19e siècle. Les frères se rendent sur place en pleine nuit, et l'ambiance est lugubre, comme on pourrait s'y attendre. C'est à ce moment que le youtubeur va filmer ceci. On peut voir une forme lumineuse. C'est difficile de reconnaître quoi que ce soit. Mais plus tard, la forme n'est plus là. Sur le coup, Franklin ne remarque rien. Et il ne verra ça que plus tard, en revoyant la vidéo. L'école des ténèbres. Cette vidéo vient de la chaîne de chasseurs de fantômes indiennes, Trichy143. Un soir, il se rend dans une école abandonnée. L'endroit semble laissé ainsi depuis longtemps, et l'ambiance est pesante. En jetant un œil à une pièce, le youtubeur va entendre ceci. Hey. On peut entendre quelqu'un pleurer. Après ça, le youtubeur décide d'être un peu plus prudent et de faire moins de bruit pour ne pas se faire remarquer. Il se rend sur le toit et il va se passer ça. Yo, moi, hein. Comment, Mia? Hé, water bottle, qui l'a demandé, les gars? On peut entendre un bruit qui terrifie le youtubeur. Après ça, il va filmer quelque chose de très étrange. On peut voir une sorte de tête sombre l'observer discrètement et se cacher. L'enquêteur poursuit, mais il va de nouveau filmer quelque chose.
Cette fois, on peut voir une silhouette sombre au fond du couloir. L'image est floue, mais après ça, l'enquêteur décide de placer une caméra fixe. Et elle va filmer ceci. On peut de nouveau voir une silhouette, et on entend des bruits, mais cela pourrait venir du vent. Quoi qu'il en soit, l'enquête s'arrête ici après de multiples frayeurs. L'ombre. La redditeuse Batkari dit qu'elle et sa famille vivent de nombreuses expériences étranges depuis qu'ils ont déménagé, comme des poltergeists ou des silhouettes aperçues du coin de l'œil. La famille décide d'installer des caméras de surveillance, et l'une d'entre elles va filmer quelque chose de très étrange. It didn't even pick up that motion. On peut voir une silhouette noire bouger rapidement. En se déplaçant, l'ombre ne fait aucun bruit, ce qui laisse la famille dans l'incompréhension. It didn't even pick up that motion. Mount Fitchett. La chaîne YouTube de chasseurs de fantômes Ghost Tech Paranormal, tenue par Jeff et Phil, ont l'honneur d'être les premiers enquêteurs à avoir l'autorisation pour se rendre et filmer dans l'église de Mount Fitchett. Elle a plus de 900 ans, et il y a un cimetière tout autour de l'église. L'endroit est réputé comme étant hanté, et une célèbre photo a été prise ici, montrant deux silhouettes sur un banc. Les enquêteurs se rendent sur place et posent quelques questions aux esprits. Il va alors se passer ceci. So at any point, if you'd like to communicate with us, please do so. We don't mean you no harm or disrespect. Earlier on, we heard we both hear a voice come from the opposite end of the church, but even after enhancing the distant voice, we cannot make out what is being said. Earlier on, we heard so as my friend Jeff said, could you make yourself known, either by talking to us, shouting your name, or banging on something, or moving something? Could you do that now for me, please? That was definitely footsteps. Yeah. There's no one else around here, not even outside. There's no one for a, you know, it's just countryside. There's no one around here. That was footsteps inside on the floor, and it was right down there at the back where the door is.
On the right. Yeah. In the north entrance. Footsteps are heard coming from the back of the north aisle. Phil and I know that we are the only people inside the church, and we have the key, and the door is locked from the inside. Here is the enhanced audio taken from our static cam facing the chancel. That was definitely footsteps. Yeah. On peut entendre des bruits de pas après qu'un des enquêteurs demande une manifestation de l'entité. Puis une voix se fait entendre. Plus tard, les enquêteurs installent plusieurs caméras à vision nocturne. Et ils poursuivent leur enquête. Hello? Can you hear us? I ask if any of the spirits can hear us, and we receive a response as there is loud banging as we enter the chancel. Here is the enhanced audio. Can you hear us? On peut entendre un bruit et une silhouette apparaît. Cela ne correspond pas à l'ombre des enquêteurs. Alors, que se passe-t-il dans cette église ? That was definitely footsteps. Yeah. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de laisser un petit like et un commentaire gentil. Ça fait toujours plaisir. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo flippante.